Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez moi, ça fait vraiment plaisir de revenir dans cette belle demeure, home sweet home comme on dit. On va pouvoir réavoir des montages de qualité, hein, des vidéos qui vont venir de manière journalière, sans faire des unboxings à la mort moelle-neuve dans une voiture, où en plus on n'avait rien du tout à unboxer. Cette époque est révolue, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre. Je vais donc unboxer le 13 décembre. Ah, il est là. Pas de mauvaise surprise cette fois-ci. Bon, il est un petit peu en lambeaux. Il est en trois parties. Hop. Et c'est une étoile filante. Donc je crois qu'on en a déjà une. On utilise en son arrière, peut-être. La case du 1. Ah non, c'est un bonnet. C'est un bonnet, là. Hein. Je me souviens qu'on ne l'avait pas mangé, mais. On n'avait pas souvenir que c'était un bonnet. Ça y est, ça me revient. Je discute tout seul et. Ça me revient. J'avais mangé l'étoile en pensant que c'était le 1. Alors que pas du tout. Bref. Ce n'est pas le sujet. Donc, voilà pour le petit unboxing. Je tenais vraiment, réellement à m'excuser pour ces derniers jours. La chaîne a pris un coup dur avec ce déplacement à Orgeval. C'était dur pour moi aussi parce que, bah, d'une part, j'étais loin de vous. Je savais que j'étais en train de vous décevoir parce que j'avais pas le matos nécessaire pour réaliser des montages vidéo. Je pensais que j'allais pouvoir le faire avec mon téléphone, mais au final, que nenni. J'avais plus la vidéo en plus sur mon téléphone, donc j'ai pas pu faire ce que je vous avais dit. Enfin voilà. C'était des déceptions et des déceptions. Je l'ai compris puisque vous vous êtes exprimé sur ma page Facebook, mais également dans les commentaires des vidéos. Et donc ça, je vous en suis très reconnaissant parce que je suis tout à fait d'accord qu'il faut dire quand les choses se passent bien, mais quand les choses se passent mal, il faut aussi savoir s'exprimer, parler, faire porter votre voix jusqu'à mes délicates oreilles pour justement que je m'adapte, que je vois les choses que je fais bien et que je fais mal. Là, effectivement, j'aurais dû vous prévenir au préalable que j'allais être en déplacement, mais j'avais en fait l'idée en tête de vous faire une petite surprise justement et de faire enfin, de faire l'unboxing en étant à l'hôtel puisque je l'avais amené mon calendrier de l'Avent. J'ai amené mon calendrier de l'Avent du coup à Orgeval, donc c'était un petit peu une petite surprise, faire genre ouais en fait je suis à loin donc j'ai peut-être pas pouvoir vous faire l'unboxing, mais en fait surprise je l'ai amené. Voilà, c'est ce que j'aime bien, créer la surprise sur ma chaîne, c'est l'imprévu, c'est quelque chose que j'adore, l'imprévu. Mes collègues en sont témoins, je pense, surtout en termes de soirée, c'est un grand kiff pour moi. Enfin bref, voilà pour les petites excuses, la mea culpa, comme on dit chez nous. Maintenant, moi, je vais aller faire un montage vidéo pour les tutos de Varro épisode 3 qui sera un tuto de cuisine comme je vous ai dit hier sur le chicken. Je complètement oublié le mot. Bref, oublions. Ça me reviendra sûrement un jour, peut-être quand je mettrai le titre de la vidéo. Je suis assez fatigué parce que j'ai vu un de mes fans aujourd'hui en enfin aujourd'hui hier sur Paris en exclusivité. Il a eu la chance de partager un moment avec moi. C'était très très sympa. On s'est fait un petit restaurant. Excusez-moi, on a pas mal discuté. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir de voir mes viewers dans la vraie vie. Et pas seulement par écrit dans les commentaires des vidéos. Je trouve ça que c'est très agréable. Partager ces instants en étant très proche de vous, moi j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, et du coup, de fil en aiguille, je suis rentré assez tard. Je suis rentré chez moi à 3 h du matin.
Donc c'était très compliqué aujourd'hui. Donc là, c'est pour ça que je suis un peu fatigué, j'oublie un petit peu les choses. Et je pense que vous allez le ressentir, peut-être dans la vidéo, je vais être un petit peu moins énergique que précédemment. Mais en tout cas, l'envie est toujours là. J'ai toujours envie de vous faire plaisir, de partager les moments avec vous. Et c'est pour ça que je vais aller m'atteler à du montage juste après pour vous partager une nouvelle vidéo en plus de celle-ci. Une vidéo qui sera plus longue parce que du coup, je fais un petit tuto sur la nourriture. Un petit tuto cuistot. Franchement, cette recette, elle n'est pas compliquée. Vraiment, je vous la recommande. C'est vraiment pas du tout compliqué à faire. Et en termes de goût, de saveur, c'est vraiment excellent. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure dans la vidéo. Vous pouvez compter sur moi. Je vais la livrer aujourd'hui sans souci. Ça va être fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous le promets. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc voilà, je vais couper court à cette vidéo parce qu'il faut que j'aille faire ce petit montage. J'aimerais quand même bien me coucher tôt ce soir pour récupérer un petit peu de ces excès des nuits passées. Sur ce, je vous dis à toutes et à tous, au revoir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout à l'heure pour le tuto numéro 3. Sinon, je vous dis à demain pour l'unboxing du 14 décembre. 14 décembre, c'est l'anniversaire de mes parents. N'oubliez pas, hein, faut leur souhaiter leur anniversaire, mes petits parents. Hein. Je compte sur vous et ils comptent aussi sur vous. Allez, sans plus tarder, je m'en vais. Ciao, ciao!